Tava samapanam drushto maya tava mahakara yogeshwara kalakala yogeshwara kalakala. Tous ceux qui sont avec nous en ce moment, chantez ceci après moi, s'il vous plaît. Yoga, yoga, yogeshwaraya. Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kale Kale Kaleshwaraya Kale Kale Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Maha Shiva Sarveshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Maha Kaleshwaraya Kale Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Maha
Yoga Yoga Yogeshwaraya. Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya. Kala Kala Kaleshwaraya. Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shambho Shambho Mahadevaya. Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga 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 Yogeshwaraya. Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya. Kala Kala Kaleshwaraya. Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shiva Shiva Sarveshwaraya. Shambho Shambho Maha. Asseyez-vous simplement, le visage légèrement tourné vers le haut. Le visage légèrement tourné vers le haut, les yeux fermés, et maintenez une légère concentration entre vos sourcils.
s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Si j'avais su qu'un virus pouvait devenir la source de tant de bon sens et de conscience, je vous en aurais donné un il y en a bien longtemps. Pourquoi est-ce que je perds mon temps à essayer de vous enseigner de nombreuses pratiques pour vous rendre conscient, pour vous rendre attentif, tant de choses? Oh, je ne savais pas qu'un virus pouvait faire cela. Eh bien, ceci n'est pas une plaisanterie. Mais si vous perdez votre rire, le virus ne va pas s'en aller. Si vous devenez grave comme la mort, vous serez mort avant d'être mort. Donc, c'est dans des moments comme celui-ci, lorsque l'on pense être en crise, ou que l'on prévoit une crise, ou qu'il y a une crise potentielle. Elle n'a pas encore eu lieu, mais dans ce pays, elle pourra avoir lieu à n'importe quel moment. Malheureusement, certains pays ont déjà été touchés. C'est dans ces moments que le genre d'être humain que vous êtes compte. Ça compte tout le temps. Mais habituellement, toutes sortes de flocons vont s'échapper. Ils peuvent faire semblant. C'est lorsqu'une crise vous frappe que le genre d'être humain que vous êtes devient la chose la plus précieuse. Donc là, tout de suite, ce virus, je pense que vous avez tous déjà suffisamment lu et entendu parler de lui. Je ne vais pas parler des détails, de la nature, de ce que c'est. Mais l'aspect le plus important pour nous, c'est que il n'est pas porté par un moustique ou une souris ou toute autre créature. Il est porté par nous. Nous sommes les porteurs. Eh bien, c'est le problème. Et c'est aussi un grand avantage. Parce que nous sommes des êtres humains. Là, tout de suite, nous devons décider, sommes-nous des êtres humains ou sommes-nous des créatures humaines? Si nous sommes des êtres humains, nous devrions savoir comment être. Si nous savons comment être, suivre les règles simples qui permettent de ne pas le passer à la personne suivante et à la suivante est très possible. Si vous êtes des créatures humaines, vous allez de toute façon vous empiler les uns sur les autres et en faire un processus universel. Vous êtes peut-être les agents du virus. Vous l'êtes. Je ne rigole pas. Vous êtes les agents qui le portent. Là, tout de suite, alors que nous sommes assis ici, et beaucoup d'entre vous, où que vous soyez, beaucoup d'entre nous, là, tout de suite, peuvent être des porteurs asymptomatiques du virus. Chez beaucoup d'entre nous, peut-être qu'aucun symptôme n'apparaîtront jamais. Chez certains d'entre nous, de légers symptômes pourraient apparaître. Chez certains d'entre nous, des symptômes sévères pourraient apparaître. Certains d'entre nous pourraient partir. Mais chez la plupart d'entre nous, peut-être qu'aucun symptôme n'apparaîtront, et ça pourrait juste passer à travers nous. Mais on pourrait le passer à quelqu'un d'autre dans la vie et menacer. Quelqu'un d'autre qui est bien plus vulnérable que nous. Donc c'est la raison pour laquelle c'est le moment de prouver quel genre d'être humain vous êtes. Tout d'abord, êtes-vous digne d'être appelé un être, ou êtes-vous juste une créature? Une créature faite de compulsions, ou êtes-vous un être conscient? Si vous êtes un être, la chose la plus fondamentale est que vous savez comment être. Si vous savez comment être, alors les interactions sociales n'ont lieu que par choix. Si ça n'est pas nécessaire, vous pouvez rester avec vous-même, et c'est un moment formidable.
en ne faisant rien du tout, vous pouvez vous sentir extrêmement satisfait d'avoir fait quelque chose de merveilleux pour le monde. Que dites-vous de ça? Jamais auparavant, vous n'avez eu cette occasion. Je vous ai parlé pendant de très nombreuses années de comment ne rien faire. J'ai dû inventer divers instruments, enseignements, méthodes pour vous faire asseoir quelques minutes à ne rien faire. Mais maintenant, il y a ceci, où en ne faisant rien, vous rendez un très grand service au monde. Servir la nation, servir les gens, servir l'humanité, juste en ne faisant rien. Vous n'aurez pas d'autre occasion comme celle-ci. Vous devez utiliser ceci à fond. Non, pas les gens au centre de yoga, j'ai du travail pour vous. Parce que dans ces 25 à 27 villages qui sont aux alentours, il y a environ un quart de million de personnes. Ces gens ne savent peut-être pas comment se gérer au cas où ça arrive. Ça n'a pas encore pénétré dans l'Inde rurale. Donc c'est le moment pour nous de sortir et de les éduquer à cela. Au cas où ça arrive dans l'Inde rurale, comment gérer ça? À coup sûr, en Inde du Sud, ça n'a pas atteint les populations rurales. Mais dans les 3 à 7 prochains jours, nous voulons nous assurer que tout le monde dans les villages soit conscient de la façon dont ils doivent gérer ceci, la façon dont ils doivent maintenir une distance sociale et une distance personnelle entre des gens qui vivent tellement à l'étroit, à vrai dire. Donc, nous allons sortir et travailler un peu. Oh, le virus, le virus, le virus. Comment puis-je faire quoi que ce soit? Construisons un mur autour du centre de yoga et vivons ici. Non, non, ce n'est pas le genre de personne que nous sommes. Allô? Ce n'est pas le genre de personne que nous sommes. Si c'est nécessaire, nous allons sortir et faire tout ce qu'on doit faire. Il est amplement établi dans le monde qu'en grande partie, pas de façon absolue, mais en grande partie, ce sont les gens qui ont plus de 60 ans qui sont vulnérables. Ceux qui utilisent des bloqueurs d'immunité du fait de certains problèmes médicaux, ceux qui utilisent des anticoagulants, ceux qui ont eu une greffe d'organes, ceux-ci sont la population très vulnérable et les nourrissons de moins d'un an. C'est notre rôle de veiller à ce que cette population soit bien protégée parmi nous. Je veux que vous vous engagiez à ce qu'on y veille au cours des 12 prochains mois, parce que l'on prévoit une période de 12 mois durant laquelle le virus va faire son cirque. Dans ces 12 mois, personne dans nos familles, personne dans le centre de yoga, les gens qui sont autour de nous, qui sont dans cette tranche d'âge ou dans ces situations vulnérables, il n'y aura pas un seul décès. Nous devons nous engager à cela et faire en sorte que ça ait lieu. Donc nous allons faire un briefing ce soir sur ce que nous devons faire et sur la façon dont nous devons faire attention, sur les ajustements et les réajustements que nous devons faire, veiller à ce que cette population soit en sécurité. Ceux qui sont dans la tranche d'âge plus jeune, ceux qui prétendent faussement être jeunes, nous allons vous prendre au mot, parce que c'est un couvre-feu personnel, Janata Curfew. Donc, si vous avez 60 ans mais que vous dites j'ai 30 ans, nous allons vous prendre au mot. Maintenant, nous allons faire des ajustements et des réajustements pour veiller à ce que la population vulnérable soit bien protégée. Ceci est le plus important. Les plus jeunes vont avoir de légers symptômes ou des symptômes peut-être un peu plus sévères, mais ils peuvent facilement s'en remettre avec une attention médicale immédiate. Quand je dis attention médicale immédiate, en général, si vous êtes infecté par le virus, les 3-4 premiers jours, en général, il n'y a rien. Le 4e-5e jour, vous pouvez commencer à avoir un peu de fièvre. Cette légère fièvre ne doit pas être ignorée à l'heure actuelle. Et le 6e-7e jour, vous allez peut-être commencer à tousser légèrement. Et au 9e-10e jour, ça pourrait prendre la forme d'une pneumonie
au niveau des poumons, ou pire, de fibromes. Mais si dès que vous avez une légère fièvre, vous allez immédiatement vous faire soigner, si vous êtes dans la tranche d'âge de 1 à 60 ans, très facilement, 99% du temps, vous allez vous rétablir. 99% du temps. Avec toute la sadhana et un certain soin qui a été apporté à nos vies en ce qui concerne la façon dont nous mangeons et la façon dont nous vivons, à coup sûr, nos systèmes immunitaires sont meilleurs de ceux que la plupart des gens qui vivent en ville. Donc, nous devrions être capables de traverser ceci sans effort, mais vous devez comprendre qu'il n'y a pas de choix en ce qui concerne qui va être atteint par le virus et qui ne va pas l'être. En 12 à 18 mois, littéralement tout le monde sur cette planète va l'attraper. La question c'est seulement, allons-nous lui permettre de devenir une catastrophe majeure ou allons-nous simplement passer cela comme une simple grippe? Cela dépend de diverses choses que nous faisons. Nous allons faire des recommandations dans les prochains jours sur ce que vous devez faire exactement au jour le jour, même si on attrape le virus, comment est-ce qu'on traverse cela? Mais le segment le plus vulnérable de la population, nous devons le protéger. C'est la chose la plus importante à faire en ce moment. Donc, nous allons dans cette direction, que chez ceux qui sont déprimés et inquiets de quelque chose. Pas de panique. Par-dessus tout, il y a des données substantielles qui montrent que si une personne est exubérante, joyeuse et merveilleuse, son système immunitaire fonctionne toujours à un meilleur niveau de protection. J'ai voulu faire une tête déprimante, mais mon visage ne coopère pas. Je pense que je vais y arriver la semaine prochaine. Parce que si vous êtes censé devenir grave comme la mort, la situation est grave. La situation est grave, comprenons-le. La situation est grave. Vous n'avez pas à devenir grave. C'est ce qui est important. Je ne suis pas grave. Cela veut-il dire que je vais être inconscient? Non. Je vais juste être joyeux, responsable, sensible. C'est ce que vous allez être. Allô? Un être humain joyeux, sensible, responsable peut gérer les situations bien mieux que ceux qui sont graves comme la mort à propos de tout. En particulier si vous êtes en panique, vous êtes paralysé. Vous devenez paralysé et vous pensez que vous allez gérer ça mieux. Il n'y a rien de tel. Il est très important que toutes vos facultés soient en place, que votre corps et votre cerveau fonctionnent et répondent à ce qui est nécessaire de la façon dont c'est nécessaire. C'est très important. Donc nous allons créer une certaine situation dans le centre de yoga pour vous maintenir en forme et je sais que beaucoup de gens vont devenir inquiets, mais en les examinant comme il faut, nous allons aussi inviter d'autres méditants et des volontaires à venir vivre ici 15 jours ou un mois pour que eux aussi traversent cette période dans l'endroit le plus sûr possible. Donc ceux d'entre vous qui sont à l'extérieur en ce moment et qui pensent à venir ici immédiatement demain matin, nous allons vous faire passer par une certaine période de quarantaine. Mais la quarantaine aussi, nous allons la rendre un peu fun. Quarantaine ne veut pas dire que l'on est assis déprimé sur un lit d'hôpital. Quarantaine veut simplement dire que l'on s'assure que vous ne le portez pas et ne le transmettez pas à quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment merveilleux dans le pays. Je sais que le Premier ministre a fait un appel il y a juste 2 jours, je crois, et la façon dont la nation a répondu est spectaculaire. Pas une seule personne dans la rue, dans tout le pays, c'est vraiment merveilleux. Si ce niveau de conscience et de responsabilité est présent, dans chaque nation, si ce niveau de responsabilité et de conscience est présent, si les gens répondent de cette façon dans chaque pays,
nous allons gérer le virus. Ce n'est pas un gros problème, mais s'ils ne suivent pas ceci, alors ce n'est pas une blague. Si la courbe devient très raide, si le pic croît comme ça, alors le genre de catastrophe qui va frapper, certains scientifiques et médecins disent que ça pourrait faire disparaître 10% de la population. Nous ne voulons pas que cela ait lieu. Donc il est très très important que chacun d'entre nous se comporte de façon responsable. Au cas où nous sommes en contact avec quiconque qui a l'air d'être malade, ils ne sont peut-être pas malades. Hey, ça va ? Ils ont l'air malades. Si une telle chose arrive, immédiatement vous allez à la clinique et vous vous faites tester. Nous devons mettre ce genre de protocole en place. Je veux que vous compreniez que c'est du long terme. Ce ne sera pas terminé en 3 jours ou 7 jours ou 15 jours. On essaie 15 jours pour casser le cycle et stabiliser la propagation. Mais ça ne sera pas terminé. La plupart des scientifiques disent que ça va durer entre 12 et 18 mois avant que nos corps apprennent à gérer le virus. Tout d'abord, le virus ne veut pas vous tuer. Je veux que vous le compreniez. C'est vous qui mourrez. Parce que le virus, pour le virus, vous êtes l'habitat. Vous êtes leur maison, ils aiment vivre là. Et bien sûr, ils aimeraient déménager dans d'autres maisons, étendre leur territoire. Mais ils ne veulent pas que vous mouriez, parce que si vous mourrez, ça fait un corps de moins. Donc ils n'ont pas l'intention de tuer. C'est juste que si votre corps n'a pas les anticorps nécessaires pour se battre, si vous n'avez pas le système immunitaire pour y résister, alors malheureusement vous mourrez. Donc à cause de cela, la mortalité est ce qui nous préoccupe en ce moment. Si c'était juste la grippe, on s'en ficherait. Mais le nombre de morts qu'il y a eu dans le monde, ça a touché presque 9000 personnes, je pense, à l'heure actuelle. Les gens prévoient que ça pourrait atteindre des millions dans le monde entier. Eh bien, les sociétés humaines, si elles se comportent de façon vraiment responsable, en maintenant une distance individuelle, distanciation sociale, mais on fait la fête dans notre chambre ou notre maison, ce n'est pas ça. Une distance individuelle doit être présente. Je veux que tous, peu importe notre travail, il y a de nombreuses habitudes qui sont des habitudes d'existence que nous voulons changer. Nous voulons espacer les gens autant que possible. L'important est de maintenir une distance physique vis-à-vis des gens, en particulier ceux qui ont plus de 60 ans, dont je fais partie. Quand ai-je eu un privilège comme celui-ci? Donc, il y a bien des choses que nous pouvons faire. Une chose est de renforcer notre système, de renforcer notre sadhana, de renforcer notre processus spirituel, et il y a beaucoup de choses dans le centre de yoga dont nous n'avons pas été capables de nous occuper, simplement parce qu'on a été en voyage, 7 jours par semaine, ces 15 à 20 dernières années, pas un seul jour pour s'arrêter et s'occuper de quelque chose. Donc je pense que c'est le bon moment pour s'occuper de nombreuses choses qui ont besoin d'attention mais auxquelles nous n'avons pas pu prêter attention. Donc faisons usage de cette période et soyons de meilleurs êtres humains en sortant, c'est très important. Et de nombreuses pratiques simples dont on vous a toujours parlé, on vous a dit comme ceci, mais vous avez fait comme ceci. Allô? Tous ceux qui me regardent aux États-Unis, ceux d'entre vous qui maintes fois me disent « Sadhguru, où est mon câlin ?» J'ai regardé dans mes poches, il n'y était pas. Ceci est bien, pas simplement à cause du virus. Ceci est très bien. Ceci est très bien parce que des contacts physiques superflus ne sont pas bons pour un chercheur spirituel, pas du tout. Parce que cela crée une certaine dépendance, une dépendance physique qui rend inutilement de petites choses difficiles. De petites choses que vous pourriez facilement dépasser, un seuil devient un mur dans votre expérience. Un seuil que vous auriez facilement pu franchir devient comme un grand mur que vous ne pouvez pas traverser. Donc, nous allons vous donner le protocole et nous allons démarrer pour tous ceux d'entre vous qui sont ici
et ceux d'entre vous, où que vous soyez, si vous donnez vos noms et vous inscrivez dans les prochaines 24 heures, pour une sadhana, nous allons mettre en place une sadhana guidée pour vous, quel que soit votre fuseau horaire, en fonction de cela, à la bonne heure, nous allons mettre en place un processus de sadhana guidé pour vous, pour que vous sachiez comment mener votre journée. And as far as possible, unless it's absolutely necessary, let's stay out of normal activity and break the cycle of the virus. Il n'existe pas pour toujours dans votre système, il est neutralisé si simplement vous ne le passez pas à d'autres. Ceci, au moins, nous devons le faire, et je pense que nous avons un peu de temps. On peut répondre à une question. Les oiseaux doivent attendre, parce que ceci n'est pas une grippe aviaire. C'est notre affaire, ok ? Namaskaram Sadhguru. Donc il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur les réseaux sociaux. La première question est de Kunal. Namaskaram Sadhguru. La situation est sans précédent et tout le monde est désemparé en ce moment. Pas seulement dans le pays, mais dans le monde entier. Pensez-vous que la fin du monde est proche? Ceci est arrivé. Deux prêtres quakers sont debout avec un panneau. La fin est proche. Un automobiliste, un homme au volant d'une voiture arrive, voit le panneau, passe sa tête par la fenêtre et dit « Bande de tarés religieux !» Et vous savez, ainsi de suite. Puis, quelques secondes plus tard, ils entendent des pneus qui crissent et un bruit d'accident. Alors l'un des quakers dit, « Je pense qu'on aurait juste dû écrire « Le pont est coupé ». Donc tout ce qu'on dit, c'est « Comportez-vous de façon responsable, ça va passer ». Mais vous voulez dire « La fin est proche ». Non, non, la fin n'est pas proche. La population mondiale ne va pas disparaître. Mais quand ceci sera terminé, en tant que génération, soit nous aurons la satisfaction d'avoir bien géré cette crise, soit nous aurons honte et baisserons la tête parce que nous avons fait des choses irresponsables qui ont coûté de nombreuses vies précieuses. Ça, c'est certain. Soit vous allez marcher tête baissée de honte dans 12 mois, soit marcher avec une certaine détermination et un certain sentiment d'accomplissement dans votre vie. Parce que, en tant que génération, nous avons navigué à travers ceci avec un minimum de dégâts pour l'humanité. Cette chose-là va à coup sûr vous arriver, soit l'un, soit l'autre. C'est mon souhait et ma bénédiction que nous soyons capables de nous tenir la tête haute dans 12 mois. À nous de jouer. Deux minutes de plus. La question suivante vient de Supreja. Namaskaram Sadhguru. Mon père est médecin et a 60 ans. Je comprends qu'il doit faire son devoir, mais en tant que fille, j'ai très peur pour sa santé aussi. Merci de me dire comment surmonter cette peur. En ce moment, être médecin est plus important qu'être fille. Donc laissez les devoirs du médecin passant avant les inquiétudes de la fille. J'apprécie et je respecte votre inquiétude, mais il est très important que chacun se lève pour faire ce qu'il est capable de faire. Tous les professionnels de santé ne vont pas être infectés ou affectés par ceci. Il faut faire suffisamment attention. Faire attention ne vient pas seulement des professionnels,
mais aussi des patients et autres qui arrivent, la façon dont ils se comportent et dont ils font les choses. Simplement parce que vous avez peur d'être infecté, vous voulez aller chez le médecin et vous agripper à lui. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il est important que chacun se comporte de façon responsable, en particulier ceux qui sont ici pour nous servir. On ne devrait pas endommager leur vie. Ceci est la responsabilité de tout citoyen, de ne pas causer des infections de façon irresponsable aux professionnels de santé qui sont là dehors pour nous servir. Et en ce moment, le nombre de médecins que l'on a, cela ne pourrait pas suffire si les choses deviennent un peu hors de contrôle. Donc lorsque c'est le cas, sauver et protéger les médecins est très important. S'il vous plaît, qui que vous soyez, où que vous soyez, veillez à ce que son bien-être soit pris en charge et que le soutien nécessaire lui soit apporté de toutes les façons possibles. Donc, être médecin à l'heure actuelle est très important. Donc nous serons de nouveau avec vous demain à 18h. En plus de répondre à des questions, voyons ce que l'on peut esquisser. Nous allons envoyer un programme de sadhana à tous ceux qui le souhaitent. Je pense que le mieux est de s'inscrire. Y a-t-il déjà une façon de s'inscrire? Ok. Ils vont mettre en place une procédure dans les prochaines heures, et si vous vous inscrivez, nous allons vous donner une sadhana guidée. Si vous vous sentez perdu à la maison... Comment ça? Les gens avaient l'habitude de dire « home sweet home ». Maintenant, lorsqu'on dit « restez chez vous pendant 2 semaines », vous dites que c'est un très gros problème. Je ne savais pas que c'était un endroit si terrible. Si c'est un endroit horrible, il est temps de le transformer en un endroit merveilleux. Vous avez 15 jours. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho